Salut tout le monde, ici RomarkZO2 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Donc vraiment spéciale, donc sur un jeu qui se nomme Slender. Donc sur une map un peu spéciale qui est la map Street. Donc personnellement je la dis beaucoup plus courte parce que son vrai nom c'est 7TH Street V11, un truc comme ça quoi. Donc moi je la raccourcis mais en mettant le mot le plus important personnellement. Donc voilà, what boy cette un truc comme ça. Bref, donc qu'est-ce que c'est le jeu Slender? Bah Slender c'est un jeu on va pas dire qu'il raconte, que là vous voyez il y a le titre qui s'affiche. C'est une map, c'est un personnage avec une un costard noir. Avec la sans visage, donc avec la tête blanc sans visage, donc voilà, par vous-même. Donc quand on va pas remarquer, c'est que cette map est vraiment horrible, est vraiment noire, mais personnellement c'est une map que je préfère, enfin que j'aime beaucoup parce que elle est plus facile à trouver les papiers, mais je crois que la difficulté est un peu compliquée. Donc au contraire à certaines maps comme la map prison, donc j'avais remarqué que dans la map prison où j'ai joué, je vous ferai bientôt une vidéo dessus. Peut-être pour le deuxième épisode. J'avais remarqué que pour le premier papier, le slender nous tombait directement dessus. Sans. En gros, si vous n'avez pas ramassé le papier, il est là quand même. Donc dans celui-là, je sais pas, mais je crois pas. J'ai juste entendu parler juste sur la map prison. Donc voilà. Il existe un peu plusieurs maps, Sanatorium et d'autres, encore d'autres, donc je ne connais pas tous. Et voilà. Donc je vous ferai plusieurs vidéos sur toutes les maps évidemment. Donc je vous les présenterai une par une, donc avec voilà. Que vous verrez par vous-même le slender. Donc le but de ce jeu c'est ramasser pas mal de papiers, donc ça dépend les maps parce que je sais quelle map c'est 8. D'autres je crois que c'est 11 et d'autres 16, donc sur celle là c'est 8 pages. Donc comme on va pas remarquer, il y en a une juste au moins, donc il y a des tâches de sang et un petit message en anglais. Donc noise cap, je sais pas trop ce que ça veut dire exactement, mais je pense savoir. Donc si vous ne comprenez pas, si vous êtes fait en anglais tant mieux. Personnellement moi je préfère traduire. Ah, il est là bas voilà, donc j'ai pas ramassé le papier, donc c'est comme là ma prison. Il apparaît directement, donc je sais pas si vous l'avez vu, il était juste dans le noir un peu. Merde, non. Voilà, vous voyez, il est juste là. Oh, bonjour, perso, je peux pas. Voilà, vous entendez les bruits. Il est juste là, vous voyez. J'ai remarqué que dans Slender Prison, le Slenderman n'était pas pareil. Je trouve qu'il était moins bien fait, donc niveau texture et forme. Donc dans celui-là, il fait vraiment, mais je trouve qu'il fait quand même peur. Oui, bruit derrière là, je peux bien vous faire peur, mais sur cette map j'ai flippé un moment. La dernière fois que j'ai joué, j'étais mort juste là, juste au milieu de la map. Voilà, donc il est juste devant. Alors tout dépend le nombre de papiers que vous allez ramasser, vous allez avoir des bruits différents. Donc voilà. Personnellement, je vais passer par là. Donc j'aime pas les endroits sombres. Mais je pense qu'on n'a pas le choix parce que c'est la meilleure solution. Trouver tous les papiers. Donc je sais qu'il y en a un par ici. Ah, juste là, voilà. Que je fais vraiment attention parce que des fois il peut apparaître comme ça d'un seul coup juste à côté. Palace Mine, Black S. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Donc je crois que c'est au bout du troisième papier que le bruit change. Ah, bah même pas. Ouais, il y a un bruit vraiment là. C'est vraiment pas beau parce que là il vient de disparaître au moment où je me suis retourné, vous voyez. Je fais attention juste à droite parce qu'il va toujours apparaître. Donc, vous voyez, il y a plusieurs bruits. Il y a un truc qui fait vraiment peur. Oh là 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 là. Oh, genre, j'ai jamais trouvé ici. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Désolé si j'ai flippé comme une merde, mais là franchement. Oh là 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 là, oh putain.
C'est un jeu. Oh peur, vous avez vu les doigts qu'il a un peu. Ouh, ouh. Ça tremble là, j'aime vraiment pas. Oh là là, donc, c'est un jeu qui est déclassé au moins de 18 ans. Donc quand vous l'avez remarqué, je suis vraiment jeune, j'ai 14 ans. Donc je devrais même pas y jouer, oui. Mais disons que j'ai peur de rien. Sauf que dans 5 minutes, voire même moins, je vais mourir. Donc... Oh putain. Alors là. Alors moi je conseille un truc, ne jouez pas à ce jeu la nuit, enfin avant d'aller dormir, parce que sinon vous risquez d'en rêver toute la nuit. Je vous le déconseille, que moi personnellement je suis quand même jeune donc j'y joue. Vous savez que ça fait peur, mais faut pas abuser non plus. Ok, juste là, bonjour. Ok, le bruit qui va encore changer, il va faire toutes les façons imaginaires pour me tuer. Je vous mettrai le site officiel dans la description, donc du jeu. Vraiment, toi qui fais vraiment putain de peur. Oh putain, j'ai vu, il y avait moins de 2 minutes là, maintenant il est juste là. J'aime vraiment pas ça, non. Mais t'arrêtes là, mon dieu, de regarder toutes les 30 secondes. Oh putain, regardez ces tentacules. Là, il est vraiment, mais vraiment pas content. Alors là, moi je vous dis, quand c'est comme ça, barrez-vous. Mais bon, je suppose que quand c'est comme ça, ils vont choper bien avant. J'aime vraiment pas quand ça tremble, non. Slender, casse-toi, oh putain, il a de ces bruits vivants. Alors là, désolé si je vais crier comme une tapette. Là, j'aime vraiment pas ça, non. Ah. Oh putain, non, je déteste ce jeu, je ne jouerai plus jamais, non, je rigole, juste... Ah oui, là, donc vous savez comment il est, ouf, il y a de ses tentacules derrière le dos là. Ah ouais, bon, il va me choper comme une merde, il va me sauter dessus, il va... Non, laisse-moi, j'ai rien fait, c'est bon, j'abandonne, il est où ce connard? Voilà, 4 sur 8. Donc déjà, deuxième, troisième page, ça commence vraiment à être horrible. Alors, je vous déconseille la quatrième page. Donc là, vous avez remarqué, j'ai fait vraiment un con, parce qu'en fait, vu comme j'étais à la quatrième page et que je flippais à mort, j'ai même pas pensé à vouloir aller chercher ce papier, et du coup, faites pas la même gaffe que moi. Hein. Donc voilà. Alors, je tiens à vous dire quelques mots, donc enfin, à propos de la chaîne. Comme vous avez remarqué, je fais moins de vidéos, parce que voilà, sur moi, j'ai pas mal de problèmes. C'est pas concernant l'ordinateur, mais c'est autre chose. Du coup, je ferai moins de vidéos. J'espère au moins pouvoir vous en faire pas mal là en ce moment. C'est vrai que j'ai quand même du temps libre. Je vous en ferai pas très longtemps. Donc, il y aura des semaines où peut-être je vous en ferai une. Donc voilà, voire plusieurs, mais ça risque d'être bon, pas très rare. Mais ça peut arriver que je vous en fais plusieurs dans la semaine. Je vous ferai aussi plusieurs vidéos sur ce jeu, donc évidemment pas sur le même map, hein. Sur d'autres maps, je vous mettrai le lien dans la description du site officiel du jeu, donc voilà. Donc si vous avez aimé, abonnez-vous, hein, mettez un j'aime, commentez, voilà quoi, chose habituelle, pour plus de vidéos évidemment, hein, si vous aimez les vidéos, donc voilà. Je vais peut-être vous dire quelques mots concernant le jeu. Je crois que j'ai vu quelques trucs, j'ai pas trop le temps de vous dire. Donc, je vous préviens un truc, c'est. Donc, je l'ai répété, je crois, dans la vidéo. Donc, il me semble que oui. Ne jouez surtout pas à ce jeu vers 9h, 10h, voire 11h du soir, voire même minuit, enfin voilà, à l'heure que vous voulez, mais enfin voilà. Parce que j'ai déjà essayé, c'est vrai, pendant un bon moment, j'ai réussi à dormir, mais c'est pas... Disons que j'ai plutôt pensé à autre chose, quoi. Bref, je vais pas vous en dire plus. Donc je vous le déconseille, après faites ce que vous voulez. Parce que c'est un jeu qui est seulement 18 ans, donc vous l'avez remarqué, moi je suis très jeune. Donc je ne voudrais pas du genre des commentaires du genre « t'es jeune, tu dois pas jouer à ce jeu », enfin voilà quoi, des trucs comme ça.
Parce que on va dire que je m'en bats complètement de l'âge, personnellement. Je connais pas mal de gens qui sont vraiment encore plus jeunes que moi et qui jouent à ce jeu. Donc c'est pas le problème. Donc sinon, voilà. Bon, bah, personnellement, si vous avez aimé, commentez, mettez un j'aime, abonnez-vous pour plus de vidéos et je vous dis au prochain épisode. Allez, bye tout le monde!